Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le bac S Pontichéry 2017. Donc, on va aborder donc la résolution de l'exercice 1, partie A, qui aura pour thème probabilité. Voici l'énoncé. Dans tout l'exercice, les résultats sont ronds arrondis si nécessaire au millième. La chocolaterie Choco fabrique des tablettes de chocolat noir de 100 g dont la teneur en cacao annoncée est de 85%. Partie A. À l'issue de la fabrication, la chocolaterie considère que certaines tablettes ne sont pas commercialisées. Tablettes cassées, mal emballées, mal calibrées. La chocolaterie dispose de deux chaînes de fabrication. La chaîne A, lente, pour laquelle la probabilité qu'une tablette de chocolat soit commercialisable est égale à 0,98. La chaîne B, rapide, pour laquelle la probabilité qu'une tablette de chocolat soit commercialisable est 0,95. À la fin d'une journée de fabrication, on prélève au hasard une tablette et on note A, l'événement, la tablette de chocolat provient de la chaîne de fabrication A. C, l'événement, la tablette de chocolat est commercialisable. On note X, la probabilité qu'une tablette de chocolat provienne de la chaîne A. Première question, montrer que la probabilité de l'événement C est égale à 0,03X plus 0,95. Question 2, à l'issue de la production, on constate que 96% des tablettes sont commercialisables et on retient cette valeur pour modéliser la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Justifier que la probabilité que la tablette provienne de la chaîne D est deux fois égale à celle que la tablette provienne de la chaîne A. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, montrer que P de C est égal à 0,03x plus 0,95. Alors, on va faire un arbre de probabilité. Alors, ici, A, A barre. C, C bar, C, C bar. Alors, ici, la probabilité que... Alors, on a noté que la probabilité qu'une tablette de chocolat provienne de la chaîne A est X. Donc ici, X, 1 moins X. C, donc, la chaîne, sur la chaîne A, la commercialisable, c'est 98%, donc 0,98. 0,02. 0... Ici 95 0,05. Donc alors la probabilité que C, la probabilité de l'événement C, ben c'est la probabilité A inter C plus probabilité de A inter A bar inter C. Ici c'est égal à probabilité de A, probabilité de C sachant A, plus probabilité de A bar fois probabilité C sachant A bar. Donc on calcule, on obtient donc 0,98 fois X plus 1 moins X fois 0,95. Donc ici 0,98X plus 0,95 moins 0,95X. Tiens alors 0,03x plus 0,95. Donc probabilité d'événement C, c'est 0,03x plus 0,95. Question 2. Donc ici on a 96% des tablettes sont commercialisables. Donc on va trouver la valeur x. 0,03x plus 0,95 égale à 0,96. Bien 0,03x égale à 0,01. X est égal à 0,01 sur 0,03, ce qui est égal à 1 tiers. Donc la probabilité de A, c'est 1 tiers. La probabilité de A bar, la tablette provient de la chaîne B, eh bien c'est 1 moins 1 tiers, ce qui est égal à 2 tiers. Or 2 tiers, bah c'est 2 fois P de A. Donc la probabilité que la tablette provienne de la chaîne B est 2 fois égale à celle que la tablette provient de la chaîne A. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath.
D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.